Salut, c'est les Naïves. New Beaters. On est au Black Weekend, bien sûr. Ouais bah, même sans le bisou à Frigide Barjot, se baigner dans la raclette. Hier, on a fait un bon bain de raclette. Et c'était pas mal. Raclette au charbon, baby. Au charbon de bois, à l'ancienne. Ouais. On remix de Sarkozy. Ouais, remix de... Bah, on lui a demandé déjà. Ok, on avoue, on avoue. Mais c'est trop facile ces questions. Ouais, les deux sont cool. Bah, disons qu'au début, tu pars en tournée avec Vincent Delerme et tu te fais une petite retraite dans un refuge après. Pour méditer sur tout ce que tu as appris pendant cette tournée. Tout ce que Vincent t'a enseigné. Faut être moderne. Et plus tu lui donnes des cours de chant, tu déclenches une avalanche, c'est ça la blague? Bah, tout dépend ce que couvre l'assurance, quoi, par rapport aux enfants. Ouais, ça peut coûter assez cher, ouais. Tout ça glisse. On va donner des cours à Didier Super, alors. Bah, pour les meufs, faire un feat avec Tokyo Hotel, t'es mieux que si t'as le crâne fendu en deux. Donc là, c'est plus question pratique, c'est mieux d'être vivant que d'être mort. Fabrice Thiorez, c'est rapport au foot. Ouais, ouais. Booba, c'est rapport au foot. Non. Tu mélanges tout. Bah, c'est dangereux un peu les clashs avec Booba. Bah non, pas vraiment. Ah oui, mais non, pas qu'il vraiment. Il y a plus de mots que d'actes. Ah, et paraît-il, ça fait vendre. Ouais, ça par contre, ouais. Donc, allez, en direct. Booba, si tu nous entends. Booba, ça... Ah ouais, Booba, on voulait te clasher parce qu'une fois, on t'a offert un vinyle dans un aéroport. C'est vrai, on était super contents. Ouais. Et en fait, deux semaines après, eh ben, on a eu un mail d'un mec qui avait retrouvé notre vinyle dans un taxi abandonné et qui avait adoré le vinyle. Donc on s'est dit, bah, Booba, il a laissé notre vinyle dans le taxi. C'est ça, à 10,50€ le vinyle. Eh ben, attends, ça c'est l'intro du clash. Booba, tu nous dois 10,50€, baby. Ça se passera pas comme ça. Yo.